Eh bien, salut à tous, c'est Kenji. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur World of Tanks. C'est une nouvelle vidéo sur la 9.8 qui est sortie assez récemment. Et bien sûr, je n'ai pas eu le temps de faire des vidéos un peu plus tôt, donc je la fais maintenant. Qu'apporte cette mise à jour? Déjà, aucune map. Aucune map n'a été ajoutée. Il y en a une qui a été enlevée, qui d'ailleurs n'apparaissait pas très souvent dans Matchmaking, donc c'est pas une grande perte. Mais sinon, ce sera surtout le nombre de chars qui ont été passés en HD. Donc dans le garage, j'ai actuellement la Hummel, donc qui est l'artillerie tier 6 allemande, la première artillerie du jeu à passer en HD, donc le nombre de détails est assez intéressant à l'intérieur. C'est même assez joli, je dirais. Et pour une artillerie qui au final on ne verra quasiment jamais la partie. Mais bon, c'est toujours bien qu'il le fasse un jour ou l'autre. Après, on a le M4A3E2 Sherman Jumbo, qui est on va l'appeler le Super Sherman, hein, le Sherman surblindé. Un char que j'adore, ça j'ai jamais vendu parce que c'est un char que j'aime énormément. Mais à part ça, bon, il a beaucoup de détails, il reste assez joli et c'est même un des chars qui, selon moi, était le plus vieux visuellement. Il était quand même temps qu'il le mette en HD celui-là. Il est un petit peu marre de le voir aussi vieux. Est-ce qu'il y a un autre char avant? Non, il n'y en a pas d'autre. Après, on a. Donc, ça, c'est vraiment le char qui a subi le plus de polémiques de la part des joueurs, du côté des joueurs. C'est le T26E4 Super Pershing. Donc, c'est un Pershing équipé de plaques de blindage supplémentaires qui alourdit, bien entendu, son blindage, qui alourdit le châssis, etc. etc., etc. Et là, en fait, c'était juste que le blindage, je crois qu'il y a eu un nerf de ce côté-là. Il est un peu moins résistant. On sent plus exactement qu'est-ce qui a changé. Entre les deux versions, mais on peut dire que pour l'instant le char est plutôt joli. Il n'y a pas à se plaindre. Et je pense à peu près avoir fait le tour des chars qui ont été passés en HD. Sinon les missions, donc les missions, oui, c'est que j'ai pas beaucoup avancé dans les missions. Forcément après c'est vu que je joue pas tant que ça au jeu. J'expliquerai dans une autre vidéo pourquoi. Les missions ont été simplifiées, sont beaucoup plus simples qu'avant. Donc, par exemple, on a les chars lourds, ça a été changé. Avant, c'était ici, c'était 8000. Maintenant, c'est 6000. Donc, c'est beaucoup plus simple. Ça fait vraiment la différence. Et voilà, donc il y a plusieurs petites missions qui ont été changées. Et ces missions-là, maintenant, vous pouvez les faire soit en solo, soit vous pouvez les faire en peloton. Et quand vous les faites en peloton, la chose est beaucoup plus simple. Par exemple, donc là, vous êtes en peloton de chasseurs de chars, donc détruire au moins 3 véhicules ennemis. Les véhicules ennemis par les coéquipiers du peloton sont pris en compte. Donc soit vous faites tout seul et vous détruisez 3 ennemis, la mission compte. Soit vous faites dans un peloton, et si vous tuez un ennemi et votre copain en tue 2, ça comptera pour vous quand même. Donc c'est vraiment pas mal qu'ils aient ajouté des... qu'ils aient changé les missions comme ça. C'était assez stupide, l'histoire du peloton obligatoire, je trouve que c'était ridicule. Mais maintenant, je trouve que la chose est quand même beaucoup plus équilibrée. Et on va lancer une partie tout de suite. On va jouer avec le Super Pershing, tiens, c'est parti. Un joueur, vu comme dit, c'est un chat qui est passé en HD, donc on va pouvoir le voir en action sur le champ de bataille face à des troupes qui ont l'air beaucoup plus fortes que nous. Bon, il y a eu un petit problème technique, donc ce qui fait que l'enregistrement a dû recommencer pour la partie. Non, en fait, c'est juste que j'ai fait vraiment n'importe quoi. J'ai été tué dès le début par une artillerie. Donc, enfin, assez rapidement par une artillerie, une M12, et je n'ai pas du tout de chance. Voilà. Parfois, ça arrive, parfois, je crois que c'est la M12. Ouais, enfin, l'artillerie qui est en face. Donc, ça arrive parfois qu'il n'y ait pas de chance du tout et qu'on meurt bêtement. Voilà, donc ça arrive. Bref, c'est pas le plus intéressant. Maintenant, on va recommencer. Donc, là, avec le char qui était lui amélioré, donc il y a eu un léger buff, surtout sur la mobilité, le temps de viser et la dispersion. Donc, la dispersion, c'est le fait que le cercle, en fait, le cercle de visée a été amélioré. Donc, on va voir ce que ça donne tout de suite. Je suis en V4302DB qui est équipé du 88 mm et de la toile améliorée. Le char est complètement amélioré. On va voir ce que ça donne. Je tiens à préciser que le chef de char est. Un membre féminin, donc ce qui est là qu'elle a sixième sens. Ok, bon pour l'instant ça m'a l'air d'être bon, il n'y a pas de danger. Mais je voulais quand même voir le truc. Mais si, Chromel, je crois que aussi. Ah oui, le Chromel aussi passe en HD, ça. Voilà. Par contre, c'est quand même bizarre que son canon soit bucky comme ça, par contre. Ça c'est bizarre. Bref, y a, apparemment il y a là un petit problème avec les modes de son, c'est pas grave. Ouch, ça pique.
Viens ici, viens ici, viens ici, viens ici, viens ici. C'est pas passé loin. C'est pas passé loin du tout. Mais je suis pas censé avoir chef de char, moi. Oh, oh, oh. D'habitude je fais plus. Non, je suis 200. Bref, c'est pas grave. Bien, bien. Voilà, 244, c'est bien. J'ai juste pas eu de chance sur le T20. T1. Ça a pas de bannage en plus, ce que là. Mais c'est moi, les obus sont plus lents en fait. J'ai l'impression que le jeu est devenu plus lent depuis la mise à jour. Voilà, c'est à cause du son. J'ai pas eu tout. Ça, c'est assez étrange. J'ai peut-être filé un coup de main au tétron. Ah, génial. Viens ici, toi, viens ici, 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 viens ici. Viens ici, viens ici, viens ici, viens ici. Mince, quand c'est ceux qui me. Quand c'est que je pénètre pas ce machin. Ah, c'était. En fait, avec les chars japonais, je les connais assez mal. Honte à moi. Je suis sur le jeu depuis tellement longtemps et pourtant, je connais même pas le blindage des chars au niveau japonais. Ah, ouais, c'est avec les chars japonais, on les voit quasiment pas. Hein. Les chars japonais, on les voit quasiment pas dans le jeu. C'est assez, très, c'est assez intéressant. Crap. Ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon. Pas bon. Allez, viens. 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 Bonne attaque. Dégâts critiques. Ça c'est bien ça quand même. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette histoire? Je dis non. Je vous dis non tout de suite. Foiré. Pas emmerdé toi. Non mais. Bon. Mili Panther, viens m'aider. J'ai besoin de toi. Je t'ai choisi. Ah, génial. Et ici, viens à moi. Viens à moi, Panther. Viens à moi. Non, ça demande, viens à moi. Allez, quoi, j'ai des cookies. Ah, génial. Bon, tu sais quoi, je vais péter la gueule au T-34. C'est parti. Quoi? Bon, oui, je te pète la gueule. Bébé! Mais. Non, mais. C'est pas lui qui va me dire ce que j'ai à faire. Finesse de STA qui commence à m'embêter, franchement. Faut que je garde un oeil sur lui. Pff, cette partie, il est ridicule en fait. Des deux côtés. En fait, il n'y a pas un côté qui arrive à être meilleur que l'autre. Ça, c'est intéressant. Il va sûrement me suivre. Il est là. Allez, ralentis. Merde, il est là. Je vous laisse. Je vais essayer de ne pas le faire. Ok. Ah, mais j'ai en train de penser parce que, vu que. Ah oui, c'est une nouvelle fonctionnalité qui arrive avec les mises à jour. La possibilité de créer des pelotons pendant la partie. Donc, je sais pas si ça compte pour les missions. Tiens, c'est intéressant de savoir. Salut. Yeah. Ouais, la mission réussite. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui en fait, c'est vrai que c'est peut-être faire trop longtemps que j'ai pas joué avec ce tank. Et je suis plus du tout habitué à jouer à ce machin. Bon, c'est pas grave. Ça fait 1225. Mon char a 1250. Ouais non, 1255. Et mon char, par contre ça j'aime pas du tout ça. Mieux. Ça c'est mieux parce que ça me cachait le machin. Voilà. Bon, bah apparemment ça va être bon. Allez, détruisez-moi le K4. Allez, détruisez-le, c'est fini. Allez. Non, quand même pas. Mais il est dedans. Avec un T28 concept. Il a même pas eu le temps de s'échapper. Bref. Allez. Good.
Et on a eu aussi un remaniement de l'écran de résultats pour cette page-là, pour le personnel. Et ma mission n'a pas été accomplie, tiens. Intéressant, intéressant, pourquoi? Pourtant, c'était 3 ennemis. C'était marqué 3 ennemis. Détruire 3 véhicules ennemis, les véhicules ennemis détruits par les coéquipiers sont pris d'honneur. Là, par contre, il y a un problème. Ah, 1500, ok. 1500 de dégâts, pas 1255. Ouais, bon, d'accord, ça arrive. Si j'ai pas raté deux tirs, ça aurait été bon. Bref, c'est pas grave. Bon, bah, de toute façon, voilà. J'ai pu tirer tireur, suspension, commandant. Suspension et suspension, suspension. Ouais, bon, bah, c'est plutôt bien passé. Il y a eu quand même beaucoup de fails, mais à part ça aurait pu être pire. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a pas plus que ça à dire par rapport à cette mise à jour. C'est une mise à jour qui est assez intéressante, qui apporte qui rétablit des petites choses qui auraient dû être rétablies depuis longtemps, mais bon, c'est pas. Je sais pas quoi encore, mais il y en a quelques-uns. Non, le coup de faire des pelotons pendant la partie, je trouve que c'est totalement stupide et inutile, mais parce que je sais pas, ça m'intéresse. C'est pas un truc qui me semble intéressant. Après, ça n'engage que moi, bien entendu. Sinon, les chars en HD, bon, bah, c'est toujours sympa d'en avoir. Ils ont rééquilibré quelques petits chars. Bon, bah, de toute façon, ça que c'est depuis longtemps, on attendait. La MiG-13 75 était vraiment à la ramasse par rapport aux autres tanks. Il était vraiment temps qu'il améliore celui-là. Voilà, je pense à peu près avoir fait le tour de la chose. Pour ceux qui me posent la question par rapport au replay commenté, c'est que ça leur manquait de faire ça. Peut-être un de ces quatre, si j'ai envie de le faire, je le ferai. Mais en attendant, pour l'instant, je n'ai pas vraiment envie de le faire. Et voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime, un commentaire et à vous abonner. Et surtout, passez une bonne journée, bonne soirée. Allez, bye tout le monde. Bye bye.